fait un peu sombre, hein, merde. D'habitude, je tourne mes vidéos l'après-midi, donc j'ai un peu plus de soleil. Là, on est le matin. Le soleil, il est de l'autre côté. Bon, bref. Oui, vous me laissez faire la vidéo tranquille, hein. Je veux pas de bruit, les gars. D'accord ? Hey ! Salut, toi ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul du magasin. Je veux qu'en tout, j'y suis allée 6 fois, parce que comme à chaque fois, eh ben, je trouve jamais rien dans le magasin. Ça me saoule. Alors quand je vois des vidéos où les gens ils trouvent je sais pas combien de trucs, et ben moi je trouve jamais rien, c'est horrible, c'est frustrant. Donc en un mois de temps, à peu près, grosso modo, j'y suis allée 6 fois. Voilà. Enfin un peu plus que ça même, mais il y a des fois où je repartais les mains vides. Et les clairs, j'ai encore pire là. Pourtant il y a du soleil, merde, mais il donne de l'autre côté. Bon bref, c'est parti du coup. Donc dans cette vidéo haul, il y aura un petit peu de tout, j'ai du loisir créatif, des trucs pour la maison, des produits de beauté, ouais, j'ai un peu de tout finalement. Je vous présente un des nouveaux membres de la famille, c'est petit Tiki, c'est une petite connure, et Oreo il est là-bas mais il veut pas venir. Alors voilà. Tiens, tu manges tes graines? Gémo Lulu, regarde, montre comment tu es beau. Hein, Tiki? Regarde là-bas. Oh, il est beau, Tiki! Et tu veux pas parler aujourd'hui? Alors, avant, c'était les chats qui m'emmerdaient pour faire les vidéos. Maintenant, ça va être eux. Hé, mange pas mes bambous, toi! Kuchi, non! Non! Donc je vais commencer par ce qui va dans ma cuisine, comme ça moi je l'aurai rangé, puis ça sera fait. Je vais ranger tout au fur et à mesure parce que je déteste le bordel. Donc j'en avais quasiment plus, et je sais qu'à Carrefour, à Leclerc c'est hors de prix. J'ai repris du papier d'alu, des feuilles d'alu et du papier cuisson. Voilà, donc voilà, le papier d'alu c'était 99 centimes, 1 euro le papier. Ouais. Et il y a 18 du papier cuisson. C'était 82 centimes et il y a combien eux? Il y a 20 feuilles. 20 feuilles. Parce que c'est déjà prédécoupé alors. Ouais. Enfin bref, du papier du papier cuisson et du papier d'alu. Oh, alors, ensuite, j'ai du produit à carreaux. D'habitude, j'achète la marque Ajax. Mais chez Action, il n'y en a pas. Donc du coup, j'ai pris ça. On va essayer, on verra bien. Donc là, c'est une grosse bouteille de 1 litre, hein, c'est énorme, pour 84 centimes. C'est même pas 1 euro la bouteille, quoi. Alors, le Ajax, c'est beaucoup plus cher. Et c'est beaucoup plus petit aussi. Bref, voilà, du produit à carreaux. Ensuite, j'ai repris un gel lavant pour les mains. Parce que comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je me lave les mains je sais pas combien de fois par jour. Je suis un petit peu trop maniaque sur les bords. Et du coup, j'en ai plus d'avance. Donc là, j'en ai repris. Hein. Alors, la dernière fois, j'avais pris cette marque-là aussi, mais au lait d'amande. Là j'ai pris aquarium, on verra bien. Et c'était 1,89€ le gel lavant pour les mains. Je dis pas de conneries, il me semble que pour la cuisine, c'était à peu près tout. Donc ce que j'ai pris ensuite, parce que vu que je me lave les mains extrêmement souvent, j'ai les mains très abîmées, très desséchées, du coup j'ai repris une crème hydratante pour les mains. Je l'avais déjà pris celle-ci et elle est très bien, voilà. Une crème pour les mains. Et cette crème pour les mains, elle était à... 1,95€ je crois, j'ai pas marqué. Bref, même pas 2€. Ça, je sais que c'était même pas 2€ la crème. Et puis elle est grande, hein. Ah non, t'as vu? C'est génial. Voilà, moi je suis contente. Donc on va rester entre guillemets dans les produits de beauté. Et j'ai repris des élastiques pour mes filles. J'avais déjà pris ces élastiques là, mais c'était dans les tons noirs, gris et blanc. Là c'est tout noir, c'est très bien. Voilà. Et c'était 85 centimes le lot de je sais pas combien. Je sais pas combien il y en a dedans. Ils font du bruit les oiseaux, c'est dingue. Bref, voilà, des élastiques pour mes filles. J'ai la voix qui part en cacahuète, je me suis tapé une angine il y a 2 jours et je m'en suis toujours pas remise. Donc j'en avais déjà pris pour ma fille, mais elle en veut encore, hein, c'est l'adolescence, il m'en faut tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des patchs pour les points noirs. Voilà. Donc là c'est pour le menton et le front, je crois que la dernière fois j'avais pris pour le nez. Bref, voilà, au charbon. Et je les ai testés avant de lui donner quand même, on sait jamais. J'ai préféré tester sur moi avant. Et c'est nickel, ça marche super. Donc voilà, il y a 6 patchs.
Eh, vous êtes chiant, les gars. Oui, vous êtes chiant. Et on me répond pas, s'il vous plaît, hein. Non, mais oh. C'est possible, ça. Bon, bref, il y a 6 patchs pour 99 centimes. Un petit euro. Et elle est très contente avec comme ça. Comme je l'ai dit, elle est en préadolescence. Elle va, bah, aujourd'hui, elle a pris 13 ans, mais toi, tu verras la vidéo que la semaine prochaine. Et ils sont chiants, hein. Je lui ai pris aussi de la crème épilatoire. Elle voulait me piquer mon rasoir, mademoiselle, tu es malade à 13 ans, on se sert pas d'un rasoir, c'est hors de question. Donc du coup, j'ai pris de la crème épilatoire. J'ai dit, à ton âge, moi j'ai commencé avec ça, donc tu feras la même chose. Voilà. Et bah pareil, j'ai préféré la tester avant, parce que vu que c'est un truc de chez Action, on sait jamais. J'ai eu aucune réaction, donc j'ai dit, oui, vas-y, tu peux tester, c'est nickel. Voilà. La marque Vite, c'est toujours très bien. Et donc la crème épilatoire, là, je l'ai payée 3,45€. Donc pour les produits de beauté, c'était à peu près tout. Là, on va passer aux choses en vrac. Okay. Pour commencer, j'ai cette petite boîte, une toute petite. Chut, dis donc. Qui fait combien celle-là? 6,5 litres pour 1,69€. Avec les petits trucs comme ça. Voilà. Voilà, et voilà. J'en ai pris une un peu plus grande. Elle est lourde, elle est blindée. Pour la nourriture de mes oiseaux. Voilà, et celle-ci, elle était à 2,99€ pour 11,3 litres. Voilà, donc c'est le même système avec les petits clips aussi. Donc ensuite, j'ai repris un arrosoir. J'en avais un, mais un seul ne me suffisait pas, parce que, je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas mal de plantes. J'en ai là derrière vous que vous voyez pas. J'en ai aussi sur le balcon. Enfin bref, je commence à avoir énormément de plantes, et moi je suis très contente, parce que j'adore la nature, la verdure. Mais mon arrosoir n'était pas suffisant, donc du coup j'avais des bouteilles en plastique. Mais les bouteilles en plastique, c'est pas bien non plus. Donc du coup j'ai repris un petit arrosoir, mais il est petit, il n'y avait pas plus grand. Bref, du coup voilà, celui-là il était à 1,39€. Donc j'espère pouvoir en retrouver un autre plus grand plus tard. Ça sera toujours mieux. Plus il y en a, plus mieux c'est. Voilà, bref, un arrosoir classique, tout simple. Ensuite j'ai pris des petites plantes grasses. On les voit pas vraiment. Des plantes artificielles, des succulentes. Voilà. Que c'était cool. Pourquoi? Je sais même plus pourquoi je les ai prises. Mais je les aimais bien, donc je les ai prises. Et elles étaient à 2,75€. Non, 79. 2,79€. De 80. Ça sera mieux. Les 6 petites plantes. Voilà. Ensuite, vous la voyez pas parce qu'elle est juste derrière vous. Donc je vais vous montrer ça en close-up. Il s'agit d'une petite assiette que j'ai achetée juste pour mon bonsaï parce que j'avais besoin d'une soucoupe, mais trouver des soucoupes rectangulaires c'est compliqué. Du coup bah, j'ai préféré prendre une petite assiette parce que je trouve ça tout aussi mignon. Voilà. Et cette assiette elle était à 1,99€. Et ça fait très bien l'affaire. Ensuite, pour monsieur, j'ai racheté un portefeuille et un porte-carte parce que les siens étaient dans un triste état. C'était pas possible, c'était pas beau du tout. Donc voilà. Donc le portefeuille était à 3,99€ et le porte-carte à 1,99€. Et j'ai essayé que ça soit les deux ensemble. C'était un petit peu mieux. Que ça soit, voilà, un petit ensemble, c'est mieux. N'importe quoi, ce que je raconte. Ensuite, j'ai repris le sable vert que je vous avais montré dans la vidéo précédente, dans l'autre vidéo haul. J'en avais pas assez de ce sable-là, donc du coup, j'en ai repris un et j'espère que cette fois-ci, j'en aurai assez. Du coup, bah voilà. Bref, c'était 85 centimes le pot. Le sable. 1 kg de sable pour 85 centimes. Voilà, pour mettre dans mon vase. Tu te souviens de mon vase? Enfin, si t'as regardé mon autre vidéo, bien sûr. Pour cacher mon petit pot noir qui est pas beau. Et puis pour remonter la plante qui était trop petite par rapport au vase. Et d'ailleurs, tout vient de chez Action au passage. Hein. Ensuite, toujours pour mon adolescente. Est-ce qu'elle est très chiante? Les adolescents, c'est très chiant. Bref, elle voulait de la décoration pour sa chambre parce qu'elle a trouvé un petit peu trop vide. Du coup, on lui a pris une petite étagère comme ça. Voilà, tout ce qui est de plus simple. Elle aimait bien. Donc on lui a fait l'étagère en fer, en métal. C'est beau. Bref, elle était à 3,49€. Voilà. Et pour aller avec, parce qu'elle a eu un vrai coup de cœur, elle a pris une petite guirlande avec des ananas. Ça fonctionne encore? Ouais, vite fait. Je sais même pas si vous avez vu.
Bref, une petite guirlande comme ça. Je crois que c'était 3,95€ la guirlande. Il n'y a plus le prix. Je crois que c'était ça. Ça se donne pas ces conneries-là. Hein. Tu vois? Attends. Ouais, vite fait. Hein. Et voilà. Moi aussi, je me suis pris une petite guirlande, mais tout ce qu'il y a de plus simple, vraiment classique, avec juste des petites LED blanches. Moi, je veux tout blanc, parce que souvent, chez Action, ils font multicolore. Mais moi, j'aime pas ça, multicolore. Moi, j'aime bien quand c'est tout blanc. Non, là, c'est pas blanc, c'est couleur blanc cassé. Enfin, bref. Eh, hey, putain, ils sont un chien. Bref, voilà, une petite guirlande avec 40 LED pour 1,85€. Et moi, je suis contente. Donc, ensuite, j'ai repris des stylos bleus pour mes filles, parce que je sais pas ce qu'elles font avec leurs stylos, mais ça disparaît tout le temps. Donc, du coup, là, j'en ai pris chez Action de la marque Pic, c'est quand même de la marque. Pour 99 centimes, il y en a 8. Bon, il en manque déjà un dedans. Voilà, des stylos bleus, tout ce qu'il y a de plus simple. On va pas se faire chier, hein. Surtout que c'est la fin d'année. Voilà. Et pour le reste, eh bien, c'est du loisir créatif, mais il n'y a pas grand chose. En ce moment, il n'y a pas de nouveauté dans le loisir créatif. En tout cas, moi, j'en vois pas. Bon, bref. Là, je suis tombée sur ces deux petites merveilles que j'aime tant. Des tampons, des plumes et des papillons. Forcément, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Donc, celui-ci, avec les plumes, il était à 1,99€. Et avec les papillons, c'était 79 centimes. C'est trop bien. Je suis contente. J'ai tout ce que j'aime. Ouais. Alors ensuite, ça, quand je l'ai vu, j'ai eu un véritable coup de cœur. Et j'ai pris tout le stock qu'il y avait. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris tout. Des bobines de fil. Mais pas n'importe quoi. Je sais pas comment tu peux les appeler. Des cordes sur bobines. Ouais, c'est de la corde. Voilà. Donc il y a trois modèles différents. Il y a du gros, du moyen et du petit. Donc j'en ai deux petits, un gros et un moyen. Ils étaient tous au... Mais arrêtez! Oh! Ils étaient tous au même prix, 1,49€. La corde la plus fine, il y a 10 mètres. La plus grosse, il y a 2 mètres. Et la moyenne, il y a 3 mètres. Voilà. Bref, il y avait que ça. Et quand j'y suis retournée, ben, il n'y en avait plus. Il y a quelqu'un qui a dû faire pareil que moi. J'ai eu de la chance de les trouver la première fois, donc je suis contente quand même. J'ai au moins ça. J'adore. Et pour terminer, là j'ai pris pareil toutes les couleurs qu'il y avait. Quand je les ai vues, j'étais trop contente parce que ça, j'adore ça. C'est des rubans en organza. Et à chaque fois, t'as 3 rubans en organza. T'as 3 x 15, c'est ça? Non, t'as 15 mètres. Donc t'as 3 x 5. Oui, 3 x 5, ça fait 15. Je suis pas si bonne que ça, ça va. Hein. Bref, du coup, j'ai pris le vert. Il y a 3 rubans verts différents. 3 rubans dans les tons roses. Bah là, c'est 3 blancs classiques. Blanc transparent. C'est organza. 3 bleus. Et là, c'est un mix. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et chaque lot était à 59 centimes. C'est un truc de dingue. Moi, j'étais trop contente. Donc voilà, j'en ai... Vous êtes chiants. Putain, la vidéo va être pourrave, quoi. Fais bisous. Il arrête pas de parler, lui, il est chiant. Il rigole en plus, il se fout de moi. Bon, bref, du coup, voilà. Il y en avait... J'ai pris 5 lots. C'est les 5 lots que j'ai trouvés. Je sais pas s'il y avait d'autres couleurs. Mais voilà, j'ai pris ces 5-là. En plus, à 50 centimes, excuse-moi, mais on va pas se priver. Hein. Puis moi, c'est pour et moi, voilà, c'est voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo qui, encore une fois, était trop longue. Je sais pas faire plus court, c'est chiant. Hein. Non, bref, j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. Hein. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Et c'est tout. Je sais même plus si je l'ai dit, du coup, je suis perdue avec eux. Donc, j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. Et on se dit les rendez-vous le mois prochain pour une autre vidéo. Oh là, ou bien alors, là, dans quelques jours, pour une autre vidéo spéciale loisirs créatifs. Enfin bref, dans tous les cas, à très vite, hein. Et puis bah voilà, et bah oui, ce voilà là, il est toujours là le voilà. Oh là là, putain, je suis grave moi. Bon bah du coup, c'est l'heure de se quitter, alors je te fais tout plein de gros poutous, et encore une fois, je te dis à très bientôt. Bye.